Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour le focus sur le Shiva. Celui-là il va me faire plaisir à moi, tout simplement parce que c'est la seule arme semi-automatique, du moins le seul fusil d'assaut semi-automatique que l'on a dans Black Ops 3. Malheureusement, j'aurais tellement apprécié voir un FAL, du moins un fusil semi-automatique qui tire plus vite que ça, parce que celui-là, sa cadence est vraiment pas terrible, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Au niveau du gameplay, je vais parler un peu du gameplay aujourd'hui, parce que c'est vraiment un gameplay qui illustre, je trouve, parfaitement la puissance de cette arme. C'est un gameplay où vous allez voir que je vais faire des headshots à la pelle. Je vais faire énormément de headshots, énormément de one-shot headshots, et ça va vraiment montrer la l'énorme puissance et l'énorme potentiel de cette arme. Alors comme d'habitude, on va commencer par la portée et par les dégâts, à savoir que le Shiva fera 56 de dégâts entre 0 et 19 mètres, 52 de dégâts entre 19 et 38 mètres et 49 de dégâts au-dessus de 38 mètres, ce qui va vous permettre de tuer votre ennemi entre 2 et 3 balles en fonction de la distance, donc 2 balles jusqu'à 38 mètres et 3 balles au-dessus, ce qui fait que pourquoi 56, pourquoi 52? Tout simplement parce que lorsque vous mettez gros calibre, le coefficient multiplicateur de headshot passe à 1,8, ce qui fait que jusqu'à 19 mètres vous pouvez one shot avec gros calibre si vous tirez dans la tête. Donc c'est pour ça qu'il y a un palier à 56 et un palier à 52. Alors qu'est-ce que je voulais dire au niveau des headshots classiques? Sinon vous êtes à 10% de dégâts supplémentaires, ce qui va vous être utile uniquement au-dessus des 38 mètres, hein, au palier de 49 de dégâts. Ça va vous passer à 54 de dégâts, ça va vous permettre de tuer en 2 balles si vous mettez un seul headshot au-dessus des 38 mètres. Au niveau de la cadence, là, ça va faire mal au niveau de la cadence, puisque même si c'est un fusil d'assaut semi-automatique, sa cadence est extrêmement faible à 257 balles par minute. Ce qui fait que, malheureusement, vous allez mettre énormément de temps à mettre plusieurs balles sur votre ennemi. Il va falloir être très très précis si vous voulez tuer votre ennemi rapidement, puisque le temps pour tuer, lui, est extrêmement court. Il est extrêmement très très court. Il est voire même instantané si vous utilisez gros calibre, mais il va falloir mettre les balles sur l'ennemi. Ça va être ça la grosse difficulté de l'arme, c'est vraiment une arme de précision, et si vous n'êtes pas précis, vous allez clairement trouver que cette arme est nulle. Clairement, hein, si vous n'êtes pas précis, vous allez trouver cette arme nulle, et si vous êtes très précis, vous allez trouver que c'est une arme excellente. Au niveau de la capacité chargeur, nous sommes à 20 balles, qui passe à 28 si vous utilisez les chargeurs grande cap. Là, personnellement, j'utilise pas vraiment chargeur grande cap, hein, 20 balles ça suffit largement, on peut tuer 3 ou 4 ennemis avec les 20 balles si on se débrouille bien, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Au niveau du temps de rechargement, on est à 1 seconde 8, ce qui est le deuxième temps de rechargement le plus long des fusils d'assaut, mais ça paraît logique puisqu'on peut tuer plus facilement plus de monde avec un chargeur. Le rechargement est un petit peu plus long, donc c'est vraiment pas bien grave, et en règle générale j'ai pas vraiment forcément besoin de mettre les chargeurs rapides, et du coup j'ai surtout besoin de mettre d'autres accessoires, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Au niveau du temps pour viser, on est légèrement plus élevé que les autres fusils d'assaut, à 266 millisecondes, donc 16 millisecondes de plus. Pour ceux qui sont sur console, 16 millisecondes, c'est une image en plus, hein, de temps pour viser. Vous allez probablement pas voir la différence avec les autres fusils d'assaut. Au niveau de la pénétration des balles, là ça devient intéressant, puisque la pénétration des balles sur ce fusil d'assaut est élevée, ce qui fait que vous allez tout simplement pouvoir tuer facilement à travers les murs. Quand je dis facilement, c'est vraiment assez facilement, parce que ces dégâts sont extrêmement élevés, et vu que la pénétration elle aussi est élevée, vous allez garder encore plus de dégâts à travers le mur, et je pense que vous pouvez tuer en 3 au plus 4 balles à travers un mur sans trop de soucis. Je raconte même pas, si vous mettez à mon avis les balles chemisées, je pense que là vous pouvez limite mettre autant de balles à travers le mur que si vous tiriez dans du beurre, ça changerait pas grand chose. Au niveau du viseur, alors le viseur il est un peu particulier, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec le viseur de base de la Shiva, j'ai du mal à me rappeler à quoi il ressemble, mais si je me souviens bien, je vais le traiter quand même de bof, un peu comme celui du Manowar. C'est un viseur qui est utilisable, il est plus utilisable que le Manowar, il est un peu meilleur que celui du Manowar je trouve, mais le problème en fait de ne pas mettre de viseur sur cette arme pour moi, c'est que lorsque vous allez faire des sauts, lorsque vous allez faire un petit peu des mouvements, des glissades, des trucs comme ça, le viseur va bouger de manière à ce que l'arme passe devant l'endroit où vous visez. Ce qui fait que c'est un petit peu galère une arme de précision si tu peux pas voir où tu tires. Perso ça m'emmerde un petit peu. Du coup je préfère mettre un viseur, mais c'est vrai que le viseur de base reste quand même utilisable, et ça dépend vraiment de votre manière de jouer, mais il reste un petit peu dégueulasse quand même, tu vois. Bon, ensuite au niveau du recul, alors le recul sur ce Shiva il est clairement faible, voire négligeable, hein, tout simplement parce qu'entre deux balles déjà, non seulement le recul est faible, hein, sur les balles, mais en plus de toute façon entre les deux balles votre viseur aura largement le temps de revenir à sa position d'origine, donc là il n'y a vraiment pas de souci, c'est comme s'il n'y avait aucun recul, et c'est plutôt bien parce que c'est quand même une arme de précision.
précision, hein, s'il commence à y avoir un recul de malade sur les armes de précision, on va pas vraiment dans le bon sens, donc le recul est vraiment extrêmement bon, hein, et il est vraiment nul en fait. Ensuite, au niveau de la vitesse de course, nous sommes à 95% comme tous les autres fusils d'assaut, et maintenant on va passer à ce qui fait, plaisir, c'est mon avis sur cette arme, puisque c'est une arme que je trouve est extrêmement, il nécessite énormément de skill pour être bien utilisé, c'est vrai que si vous ne visez pas très bien, vous allez galérer avec cette arme. Et c'est mon avis qui, on va dire, il faut vraiment être, comment dire, je sais même pas comment le dire en fait. C'est-à-dire que si vous mettez une balle à côté, en gros vous êtes mort. C'est clairement, si vous mettez une balle à côté, vous êtes mort, mais alors si vous réussissez tous vos tirs, vous allez voir un petit peu plus tard dans cette manche, je vais mettre des headshots mais à la pelle. Et vraiment, je trouve que c'est une arme qui... On se sent vraiment en puissance lorsque l'on fait des headshots avec cette arme. C'est tellement une sensation qui est excellente de mettre une balle pour tuer une personne avec un fusil d'assaut qui tire quand même relativement vite. Hein, pour tuer en une balle, il tire relativement vite. Que franchement, la sensation que vous avez lorsque vous tuez des gens en une balle dans la tête est vraiment excellente. Alors après, ce que je peux vous conseiller au niveau de la classe, c'est de mettre... Moi, personnellement, je mets la crosse parce que j'ai vraiment besoin de me déplacer latéralement avec ce fusil d'assaut. Puisqu'il tire très lentement, j'ai vraiment besoin de pouvoir justement ajuster vite. Et personnellement, j'ajuste énormément en faisant des pas de côté. Je sais que quand je suis un tout petit peu à côté de l'ennemi, j'ajuste en faisant un pas de côté. Comme ça, j'ai pas besoin vraiment d'ajuster ma visée en elle-même. J'ajuste juste ma position. Et ça, c'est vraiment assez important puisque c'est vraiment ce qui me permet d'être... plus précis avec cette arme. De toute façon, tout est question de précision avec cette arme. Je mets également le gros calibre pour pouvoir tuer en une balle dans la tête, très 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 important. C'est, je pense, l'accessoire le plus important sur cette arme, mettre gros calibre. Comme ça, vous pouvez tuer jusqu'à 19 mètres en une seule balle dans la tête, et ça c'est vraiment excellent. Je mets également le canon long, j'en parlerai un tout petit peu plus tard du canon long, pourquoi je le mets. Et je mets une optique, tout simplement parce que je trouve que un petit red dot comme ça, tout simple, ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace avec cette arme. Et ça permet d'être beaucoup plus précis. Alors, au niveau du canon long, ce que je le mets dans toutes mes classes avec la Shiva. C'est surtout qu'une seule classe avec la Shiva, donc forcément je le mets. Mais c'est vraiment le canon long plus gros calibre, c'est les deux accessoires qui sont les plus puissants sur cette arme. C'est clairement les deux accessoires qui sont le plus puissants, puisque avec le canon long, vous allez passer à 38 mètres de one shot dans la tête. 38 mètres de one shot en headshot, ce qui est vraiment énorme, ce qui fait que si vous faites un headshot à la moitié de la map, vous allez tuer le gars instantanément. Le mec en face va mourir instantanément. Et c'est vraiment énorme, vous voyez la distance là, pouf, une balle, headshot. Il est mort. Ça, c'est vraiment la grosse puissance de cette arme. Si vous mettez le canon long, vous allez également pouvoir tuer en deux balles jusqu'à 76 mètres si vous mettez pas des headshots. Ce qui fait qu'au final, bah, vous allez tout le temps tuer en deux balles, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Il n'y a plus le tir en trois balles, puisque 76 mètres, bon, pour les dépasser, faut quand même y aller, hein. Et surtout ce tir en headshot qui est vraiment excellent. Au niveau du silencieux, là par contre, si je peux vous le déconseiller très 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 fortement, puisque vous passez à 6,65 mètres de headshot avec gros calibre, vous passez à 13,3 mètres pour mettre 2 balles, donc en gros vous allez quasiment tout le temps mettre 3 balles si vous mettez le silencieux sur cette arme, c'est vraiment pas conseillé. Si vous mettez silencieux et canon long, vous passez à 13,3 mètres de headshot avec gros calibre et 26 mètres pour mettre 2 balles, peu importe où vous tirez. Là par contre, bon, c'est discutable, mais faut vraiment avoir envie d'être silencieux. Hein. Perso, avec cette arme, j'ai pas spécialement envie d'être silencieux. Et si je peux mettre le gros calibre et le canon long, c'est vraiment excellent. Alors, maintenant, pourquoi je ne mets pas la poignée ergo? Parce que c'est quand même une arme qui vise un petit peu plus lentement que les autres fusils d'assaut. C'est une arme qui est un petit peu plus lente, hein, voilà, elle est un peu plus lourde. Pourquoi je mets pas la poignée ergo? Parce qu'il n'y a plus de place dans la classe, hein, déjà. Et parce que, bah, malheureusement, oui, c'est ça, il y a surtout plus de place dans la classe et c'est pas indispensable. C'est vrai que la poignée ergo est moins efficace sur les fusils d'assaut qu'elle l'était sur Black Ops 2 et qu'elle l'est sur les mitraillettes. Du coup, je ne mets pas du tout la poignée ergo sur mes fusils, sur la Shiva, tout simplement parce que je trouve que même s'il faut être rapide, même s'il faut être très précis, je préfère prendre un tout petit peu plus mon temps pour être plus précis et mettre la balle qu'il faut pour tuer l'ennemi, et c'est vraiment ça qui va faire que cette arme va être puissante. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.